Et salut tout le monde, c'est Android Gaming. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour le troisième épisode de Clash of Brothers 2. Et on s'était laissé la dernière fois au pied de notre... devant l'entrée de notre nouvelle maison. Oups, non, ça c'est la difficulté. Devant cette superbe maison. Et aujourd'hui les amis, ce qu'on va faire, c'est que... attendez. On va aller farfouiller un peu les biomes pour trouver des ressources assez sympa. On va voir si on ce qu'on peut faire. Alors, je réfléchis à ce que je vais prendre avec moi. La canne à pêche va me servir à rien. La ficelle, pareil. Dû prendre quand même 9 charbons parce que... Ok, nickel. Oh, je suis un peu buggé, désolé. Alors, je déplie la map. C'est cool parce qu'on a aussi nos coordonnées, enfin ça sert à rien mais bon, je sais pas, ça pouvait... Alors vous inquiétez pas, j'ai pas l'intention d'aller au Nether, hein, je... J'ai pas le droit de toute façon, hein. Je vous l'avais dit. Mais bon. Ah ben, j'ai sur moi. Je vais prendre de l'eau. Bah tiens, je me ferai une source à l'infini. Chez moi. Est-ce que j'ai ma pelle? Et ah, je l'avais même pas vu, il est là. Et voilà, je vous l'avais dit, je suis nul en PVP et lui, il a toujours le moyen de d'avoir une portée sur moi. D'ailleurs, chapeau à lui, hein. Oh là là. Il m'a bien défoncé. Attendez. Ok, donc les gars, je vais me refaire. Et je vous rappelle, ok? Je trouve ça complètement dingue. Mais plus de fer, j'ai pépé, j'ai... Au lieu d'une pioche en fer, comme un boulet. François a réglé un petit truc, il rejoint... Je vous avais bien dit que j'étais nul en PVP, mais lui aussi il avait l'avantage, et lui il connaît bien la technique sur téléphone pour bien taper, pour taper dans le coin, sur le côté, pour éviter mes coups comme je disais. Lui remportait des trucs. Du coup il a tout mon stuff, alors on s'était dit attends, ouais tu prends, je prends ton stuff ou pas? Non après... Et après, moi, j'ai dit oui, prends mon stuff, parce que je voulais que ce soit équitable. C'est normal que quand tu butes quelqu'un, tu récupères tout son stuff, au lieu de le faire plaisir et de... Bah, je vais retourner dans la même grotte que celle que... où on était la dernière fois. Parce que j'ai pas tout fait, je vous rappelle, hein. Je vais laisser une table de craft au cas où, moi. Et cette table de craft, je vais faire pas au même endroit que la dernière fois, tiens.
Bah, quand je ressortirai de la grotte, voyez toutes ces armures, bah, je vais les reprendre. Comme si jamais il me bute, tel que je me connais, je suis mauvais. Et bah, s'il me rebute, et bah, cette fois, j'aurai en or pour tenir un peu le coup. C'est pas très bien, mais bon. Oh là là. Je vous l'avais dit, je suis nul en PvP. J'espère que je vais trouver des trucs, hein. Tiens, je vais prendre ça. Ça me fera un peu de charbon. Et mais là... Oh, j'avais 15 de XP, j'ai 24. Il a aussi récupéré plein d'XP. Enfin, il aura pas récupéré 15, je pense. Ben non, mais bon. Il aura récupéré pas mal quand même. Surtout que moi, j'aurais tout perdu. De toute façon, je suis loin d'avoir une table d'enchant alors. Oh non, largement loin. Oh, toi, je t'oublierai jamais. Ah! Je t'avais oublié, toi. Alors, je prends un max de charbon, hein, parce que. Mais écoutez les amis, je vais pas passer ma vie à vous montrer tout ce que j'ai miné. Donc quand même, là, je vais faire une grosse ellipse. Quand même grosse. Hein. Creux, les gens, je viens de découvrir une... Enfin, c'est toujours dans la même, mais c'est un passage que j'ai pas visité. Et j'y vais, j'ai pas encore trouvé de fer. Hein. Mais bon. Je me recrafte des sticks parce que sinon... Bah, l'or, je sais pas trop à quoi ça peut me servir en fait. Hein. Ah oui, je l'avais dit, à faire des pommes de nudge. Oh, j'ai failli. Il est en petite quantité, dis donc. Hein. Je me refais une table de craft ici. J'ai trop la flemme de. Je crois que le seul moyen de crever dans cette grotte, pour l'instant, selon moi, c'est de crever de faim. Hein, parce que franchement, j'ai pas pris de bouffe avec moi. Tiens, j'étais pas allé par ici. Qui c'est, jour de chance?
Tant que je veux y ce problème. Pas dire, mais le reste de la grotte, c'est un peu de la merde, hein. Là, je suis bien emmerdé parce que l'endroit où j'ai fait mon petit truc avec mon petit four, je m'en rappelle plus de où c'est en fait. Oh oui, yes! Oh. Oh, un creeper! Alors, oups. Bon, j'ai changé de coin, les gars, hein, parce que je vais me faire à bouffer, parce que là, hein... Allez, ellipse, le temps que je retrouve le chemin. Je vais casser l'ellipse, c'est ça, hein, parce que ça devient long, hein. Si, mais pas maintenant.
Re les amis, j'ai une mauvaise nouvelle. François sait où j'habite. Il a rien volé, hein, parce que il a eu, il m'a laissé tranquille. Alors, là, je devais commence à avoir un air sournois, parce que je viens de regarder toute ma poudre à canon, et je me dis. Je peux me faire des TNT. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dormir. François, je t'invite à dormir. Et qu'à faire, eh ben, on va pêcher. Alors, le boulet que je suis a oublié la canne. Ce que je déteste le plus, c'est quand mon système ne marche pas. Genre ça. Et moi, comme un maniaque. Oui! Yes! Oups! Hey, mais j'arrive. Mais je bouge l'écran en même temps, c'est une blague? J'ai tapé. Attendez. Voilà, nickel. Ok, j'ai mon stuff de cuivre de rescousse, disons. Je dis de rescousse parce que ça permet de me prouver si je crève, pareil le stuff en or. Bon, on va pêcher. Il faut se faire de la bouffe. J'ai pas envie de buter les poulets parce que. Ah, c'est facile de pêcher. En plus, c'est abondant ici. Attends, je vais faire une petite coupure là. Ok, donc. Oh, ça m'énerve ça. J'ai quand même pas de poisson. 3, c'est pas. Qu'est-ce que je vais faire avec mes lingots là? Il y a ça qui serait intéressant, bien sûr. Une pomme dorée, mais j'aimerais plutôt me faire une pomme de nudge, c'est-à-dire une pomme d'or enchantée. Ce que je vais faire, c'est qu'on va faire une autre grotte, les amis, hein, comme ça. Ok, j'ai bien bouffé. Alors, je vais reprendre ça. Mais. Je vais faire un vide. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai moi? J'ai des bugs de déplacement moi, ces temps-ci. Oh là là, ouais, vraiment.
Ok les gars, j'ai trouvé une grotte ici. Ça a l'air. Oh yes. Re tout le monde, encore un problème Mobizen. Alors, j'ai trouvé un village. J'ai un peu dévalisé. Alors, je regarde. Faudrait que je trie, mais non, j'ai trop la flemme. J'ai 21 livres. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai de quoi faire un élevage. Je vais planter des trucs quand même. Alors, je réfléchis à ce que je vais faire. Alors là, les amis, je vais farmer un peu, ok? Je vais vous ellipser ça, je vais pêcher et tout. Et on se retrouve après, je vais en discuter avec vous. Allez, à tout de suite. Ok, donc pêcher un petit peu, j'ai pas grand chose. Alors, j'ai pas que ça à faire, je reviens tout de suite. Alors, je vais me craquer. Et on va se faire une petite ferme, les amis. Je pense que ça va être intéressant. Je vais prendre ce dont j'ai besoin. Allez, je vous dis à tout de suite. Relis, donc là, j'ai une culture de confort. Je dois l'infini. Et ma culture de sucre. Qui, dès qu'elle poussera, et bah. Le truc tombera par terre. Et si ça marche pas, bah je retirerai. Parce que j'ai jamais essayé que la canne à sucre ce système. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais voyager un petit peu. J'ai l'impression que ce temps-ci, je suis en manque de bouffe. Non, mais pourquoi ça, je suis con. Attends, j'ai pas de pain. Ah merde. Bon, je vais prendre ça. Non, je prends ça. Avec... Vin charbon. Alors... Alors, je sais pas trop si je vais miner, mais je me fais des torches au cas où. Oh.
Ça, c'est mon deuxième arbre qui a poussé. Ah, c'est plutôt cool. Ça va camoufler un petit peu. En fait, j'ai pas l'impression que la canne à sucre pousse. Du coup, j'ai tout récupéré. Je vais présenter plutôt comme ceci. Voilà, nickel. Alors, sinon. Non, je peux pas pêcher une deuxième fois. Trop la flemme. Ah oui, c'est vrai. J'active la minimap. J'ai ce temps de charger un peu. Je viens de réfléchir, je vais peut-être prendre mon lit avec moi. Je dors. Re les amis, bug de Mobizen, j'ai l'impression qu'il a beaucoup des bugs ce temps-ci. Alors, je pars par là. Oh, c'était pas ça que je voulais. Voilà, c'était ça. Je sais pas trop où je vais en fait. Désolé, je parle pas depuis tout à l'heure. J'espère que j'étais pas trop silencieux pour vous. Bon, écoutez, je fais une ellipse jusqu'à ce que je trouve quelque chose d'intéressant. Re les amis, donc là j'ai un peu faim.
Et regardez ce pilier de terre. Je pense que ça, c'est une œuvre humaine. Oh, regardez ce qu'on a. Les amis, je crois que c'est une grotte de François, ça. Il est pas dedans, je vois pas son pseudo. Et le pseudo, on peut le voir de loin. C'est plus intéressant. Je regarde quand même où est la tourelle. Oh. Regardez ça. François, reviens pas, ok? Comme ça, je peux dormir. Oui. Ok, donc là, je vais me rapprocher un peu de la tour pour pas me perdre. Entend ce qu'on dit, et il a l'air un peu stressé, ça m'arrange. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, bon, ça c'est encore. Alors, cet abruti de François, je suis allé dans une de ses grottes. Il faut dire qu'il y avait du fer, il l'a pas récupéré. Donc, ça c'est pour moi. Il y a un petit repère qui peut nous mener jusqu'à lui, c'est qu'il a des récoltes, à ce qu'il m'a dit.
qu'il a planté des choses. Oups, désolé les amis, ça fait 3 minutes de vidéo. Comme vous pouvez le voir, il y a des petits lapins là-haut. C'est une nouvelle 0.13.0. Je sais pas si vous le saviez. Et c'est casse-couille à buter à ce que je vois. Du coup, je vais les laisser tranquilles. J'ai trop la flemme de les tuer. Je crois que la vidéo va être relativement longue quand même. J'espère pas. Parce que j'ai pas envie d'une vidéo trop longue, moi. Et c'est fou, parce que j'ai trouvé plein de repères de chez lui, mais j'ai pas trouvé sa maison, moi. Après, moi, j'ai pas trop l'œil, hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez vu ou si vous croyez l'avoir vu. Non mais là c'est chez moi là. Comme vous pouvez le voir les amis, je suis retourné chez moi là. Alors, je crois que ce sera tout pour ce troisième épisode de Clash of Brothers. On aura fait beaucoup de choses, l'épisode aura été très long. Surtout pour moi, puisque j'ai fait beaucoup de hors-antenne. J'espère plus, hein. J'espère que vous serez pas ennuyé. Moi non, hein, puisque j'arrête pas de jouer. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo, les amis. Allez. Ciao, ciao. Là. Je vais me mettre en vue à la troisième personne, avec mon épée dans la main, comme d'hab. Au pied de la maison, c'est très stylé. Pas trop quand même, voilà. N'hésitez pas à faire un petit screenshot des lieux. Allez, on se prochaine pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao!